Pietro Perdicisi, vous avez été titulaire à Inter pendant une dizaine de matchs la saison dernière. Maintenant, vous êtes titulaire à l'Union. L'heure de la revanche a sonné? Non, je parlerai pas d'une revanche, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de jouer contre un de ces anciens clubs. Bon, voilà, nous, on est dans une bonne spirale et on va faire le maximum pour prendre les 3 points à la maison. Alors justement, aucun goal encaissé depuis la reprise. Est-ce qu'on espère que la série va continuer contre ce qui est quand même la meilleure équipe du moment? Oui, l'Inter est vraiment en bonne forme pour le moment. Mais bon, on est en forme aussi. Et bon, voilà, on a pas, c'est vrai, ça fait 4 matchs qu'on n'a pas encaissé, pardon. Mais bon, voilà, c'est toute l'équipe qui se bat l'un pour l'autre. Et c'est pas seulement la défense, c'est les attaquants qui travaillent bien aussi, les milieux de terrain qui travaillent bien. La défense, nous, ok, on est bien en place avec aussi le gardien derrière. Et voilà quoi. Vous qui connaissez bien l'Inter et son contexte, est-ce qu'il y a une recette spécifique pour battre cette équipe? Une recette spécifique, non, je pense pas. C'est un nouvel entraîneur, c'est des nouveaux choix tactiques, mais je pense que la meilleure recette, c'est de continuer ce qu'on a fait depuis le début 2017. Et créer l'exploit. Et créer l'exploit, oui. Enfin, pour terminer, un petit message aux supporters. Oui, qu'ils soient là nombreux pour nous soutenir, parce que ça va être un match difficile, et on compte sur vous.